Buongiorno. Mon nom est Marina Girard. Je suis agent de réalisateur et je travaille souvent sur des films de patrimoine pour aider à les restaurer et à les remettre en distribution. Thierry Derocle est le propriétaire du film Les Oliviers de la Justice. C'est le fils du producteur d'origine. Sarah Bénédicte est la petite nièce du réalisateur James Blue et elle est avec nous pour parler de son grand-oncle. Donc nous allons vous parler des Oliviers de la Justice, qui est le seul film français tourné pendant la guerre d'Algérie, seul film de fiction tourné pendant la guerre d'Algérie. Il a été produit par une société française basée à Alger. Il a été réalisé par un Américain formé à l'IDEC, dont ce sera l'unique film de fiction et qui deviendra plus tard un grand documentariste nommé aux Oscars. Ce film est étonnant et passionnant, car juste avant l'indépendance de l'Algérie, il décrit la complexité des rapports sociaux dans la société algérienne. Il le fait sans prendre de position et dans un style presque documentaire. Je ne vais pas vous en dire plus, car vous pourrez le voir à 11h au cinéma Lumière. Nous allons plutôt vous raconter l'aventure de la restauration du film. En août 2016, j'ai reçu un appel à l'aide d'un ami américain, agent, qui s'appelle John Petak, avec qui j'avais travaillé dans le passé aux États-Unis. Il a été l'élève du réalisateur James Blue, qui a enseigné à UCLA et à l'American Film Institute notamment, et qui a formé une génération de documentaristes aux États-Unis, et qui est malheureusement décédé très jeune, à 50 ans. La fondation dédiée à ce réalisateur, dirigée par son frère Richard, voulait restaurer son seul film. De fiction. De fiction. Il savait que du matériel, uniquement un marron, donc un interpositif, un fine grain, existait aux archives du film en France. Et ils avaient mandaté un expert en 2015 pour vérifier que l'état du matériel était satisfaisant. La Film Foundation de Martin Scorsese et la National Preservation Film Board avaient accordé une subvention pour restaurer le film, mais la Fondation Blue ne parvenait pas à clarifier qui pouvait leur permettre de restaurer le film légalement, car elle ne possédait aucun droit sur le film, sauf une lettre manuscrite de 3 lignes signée par le producteur Georges Derocle, qui autorisait James Blue à le distribuer aux États-Unis. En plus de cette recherche de propriétaire du film, j'explique à mon ami américain qu'il faudra absolument vérifier les droits d'auteur français qui normalement sont cédés juste pour une durée limitée et il faut renouveler ces droits pour pouvoir exploiter le film. Je regarde le film en accès gratuit sur YouTube dans une qualité que vous pouvez imaginer très mauvaise, mais cela me donne une très grande, je l'aime beaucoup et cela me donne une grande motivation pour commencer à enquêter sur les questions posées par les Américains. En septembre 2016, je contacte Thierry Derocle, le fils du producteur d'origine, Georges Derocle, qui me confirme que le matériel déposé aux archives du film lui appartient bien. Thierry me donne accès à ses archives, et ce qui me conduit peu à peu à constater que son père a déposé le marron du film, mais à son nom propre, alors que ce film appartient légalement à la société qui a produit le film, la société de production des studios Africa qui était basée à Alger. Et aucun document ne prouve le transfert de propriété de la société au patrimoine personnel de Georges Derocle. Mais Georges Derocle avait fui l'Algérie en 1962 et n'avait pas fait les papiers nécessaires. Le deuxième problème, c'est que nous ne savons pas où se trouve le négatif, nous n'avons que le marron. Par ailleurs, les contrats d'auteur ont disparu, enfin, on ne les a pas, sauf le contrat d'auteur de l'auteur du livre, Jean Pellegri, mais ce contrat est échu. Jean Pellegri était un auteur pied-noir, reconnu en France dans les années 60. Il était édité par Gallimard, maison d'édition renommée.
Il avait beaucoup travaillé avec James Blue pour écrire le script. Il avait aussi interprété le deuxième rôle principal du film. Et il avait été le premier assistant à la réalisation, ce qui est assez inhabituel. Et Gallimard, sa maison d'édition, était intervenue en 1986 pour interdire une diffusion télé du film parce que son contrat n'avait pas été renouvelé. Donc il faut renouveler les droits du livre de Jean Pellegris avec Gallimard. Il faut aussi signer avec les héritiers de Jean Pellegris un contrat de co-scénariste que nous n'avions plus. Il fallait signer avec les héritiers d'un autre co-scénariste qui s'appelait Sylvain Daume un contrat d'auteur. Et aussi signer un contrat avec Richard Blue, qui est l'héritier de James Blue, pour ses droits. Par ailleurs, quelques contrats de distribution avaient été signés dans les années 60-70 et il fallait enquêter pour savoir s'ils étaient bien complètement terminés. Donc ça faisait beaucoup de problèmes à résoudre et c'était un peu inquiétant. Au niveau technique, je contacte le laboratoire L'Image Retrouvée qui avait été pressenti par la fondation James Blue pour faire la restauration. Ensemble, nous avons fait un budget qui incluait la fabrication d'un nouveau négatif puisque nous n'avions plus le négatif original. Nous avons fait de nombreuses recherches dans les laboratoires français, auprès de la FIAF et même en Tunisie où Georges de Rocle avait aussi une société, sans succès. Le budget de restauration était beaucoup plus élevé que les subventions que nous avions eues des États-Unis et il nous manquait environ 50 000 euros. Il fallait absolument obtenir une aide à la numérisation de la part du CNC en France, mais Thierry de Rocle, étant un particulier, il ne pouvait pas obtenir cette subvention, il ne pouvait pas faire la demande administrativement. Donc, nous avons commencé à chercher un producteur qui pourrait acquérir les droits du film et prendre en charge tout ce travail, mais le succès commercial incertain du film, nous ne trouvions pas de société intéressée. À un moment, nous pensons céder les droits producteurs aux États-Unis, puisque James Blue était connu là-bas, mais nous trouvons quand même dommage que cette œuvre importante sur la guerre d'Algérie ne reste pas en France. C'est aussi l'avis de la Cinémathèque française, mais qui malheureusement ne pouvait pas nous aider financièrement. Et là, nous allions perdre les subventions américaines qui avaient été obtenues depuis plusieurs années. Et alors, Thierry me demande d'essayer de trouver une solution où il reste propriétaire du film dans cette configuration. J'ai donc contacté un distributeur français qui s'appelle l'Atelier d'Image, qui a été passionné par le film, mais qui n'avait jamais demandé de subvention de ce type. Mais son dirigeant, Hugues Pesson, a quand même accepté de distribuer le film et de demander cette subvention du CNC avec mon aide. Commence alors le long cheminement pour renouveler les droits d'auteur, car nos possibilités financières étaient très limitées et normalement il faut payer pour obtenir les droits d'auteur. Après un an de négociations avec Gallimard, on m'annonce qu'ils n'ont pas les coordonnées des héritiers de Jean Pellegris. Et donc j'étais obligée de chercher sur Internet et l'annuaire téléphonique pour retrouver le fils de Jean Pellegris et le convaincre de contacter Gallimard pour signer les documents nécessaires. Et Jean Pellegris était aussi co-scénariste, mais Gallimard dit « Ah non, moi je ne signe pas le contrat de co-scénariste ». Donc heureusement, la SACD, qui représente les auteurs en France, a accepté de s'occuper du contrat de co-scénariste, mais il représentait aussi l'autre co-scénariste Sylvain Daume. Donc j'ai eu deux interlocuteurs, Gallimard et la SACD. Ces négociations ont été longues, mais à la fois Gallimard et la SACD ont accepté de nous accompagner dans ce projet dans un cadre économique très limité, et nous les en remercions.
De plus, il a fallu qu'ils acceptent de signer avec un particulier, ce qui est très rare, parce que d'habitude, les sociétés d'auteurs signent avec des entreprises. Et concernant les droits de James Blue, Richard Blue, son héritier, son frère, a très sympathiquement accepté de signer les mêmes contrats que ceux de la SACD en français. Et une fois les contrats d'auteur signés, vient le moment de demander l'aide du CNC. Et le CNC me pose une question sur la chaîne des droits producteurs du film et me demande de prouver que le film appartient bien à Thierry Derocles parce qu'il a été produit par cette société algérienne, la SAPSA, et la société de son père. La question posée était: qu'est devenu le patrimoine des sociétés françaises immatriculées à Alger quand l'Algérie était française? C'était une question très compliquée et malgré de nombreuses recherches, je n'ai jamais pu y répondre précisément. Par contre, il se trouve que les droits des producteurs sous loi européenne n'est que de 50 ans. Donc les droits de la société SAPSA étaient échus et au-delà de cette durée, les droits appartiennent à la personne qui possède le matériel et qui a renouvelé les droits d'auteur. Donc le film appartenait bien à Thierry Derocles. Et donc le CNC a accepté cette démonstration. Donc l'atelier d'image, le distributeur français, a obtenu une subvention du CNC en 2019 qui était inférieure aux besoins, au montant demandé. Mais heureusement, une chaîne télé française, Cineplus, a accepté de nous aider. Et puis l'atelier d'image a pris en charge la différence. Voilà les problématiques jusqu'au moment où on a commencé réellement la restauration. Et je passe la parole à Thierry. Oui, donc on en vient plus précisément au plan technique de la restauration qui a été délicate, comme vous vous en doutez, car à partir de ce fameux marron interpositif en noir et blanc, le scan 4K avait énormément de grains. Ça, vous le savez, c'est quelque chose qui pose problème. Et donc, il a fallu trouver un équilibre entre la diminution du grain qui était nécessaire et le respect de l'image d'origine. Par ailleurs, les sous-titres français étaient gravés dans l'image. C'est ce qui se faisait à l'époque quand il y avait peu de copies et que donc c'était une grande économie que de graver directement sur l'image les sous-titres. Et donc ça a été un peu compliqué pour le laboratoire de les enlever. Et Elena Tamaraco, qui a supervisé la restauration pour le labo, est dans la salle et pourra répondre à vos éventuelles questions à ce sujet. Donc le film était atypique lors de sa production, car il a été produit par une société basée à Alger pendant la guerre de manière clandestine. Officiellement, il s'agissait d'un film sur la viticulture. Il a été réalisé par un Américain, ce qui est assez spectaculaire pour l'époque quand même. Il a été réalisé à partir d'un livre écrit par un pied noir qui interprétait lui-même le rôle de son propre père dans le roman. Et il a aussi fallu utiliser des moyens atypiques pour la restauration et le remettre en distribution. Il y avait des acteurs non professionnels qui vivaient en Algérie et des techniciens locaux. Et ça a été un film qui est une première collaboration entre la Film Foundation et le CNC. Et enfin, la grande chose, la grande particularité, c'est que moi, je détiens les droits du film en tant qu'individu, ce qui est assez rare. Bon, c'était donc une belle aventure internationale entre la France, les États-Unis, un laboratoire franco-italien. Et la réussite doit beaucoup au laboratoire Immagine Ritrovata, qui a toujours soutenu pendant les 5 années qui se sont écoulées entre la demande de la Fondation Blue et la projection de ce matin. Donc, on va vous montrer maintenant, avant que notre ami parle un peu de son grand-oncle, deux petites vidéos qui parlent de James Blue, si le projectionniste veut bien y procéder.
1955-56, je suis entrée à l'IDEC, l'école de cinéma à Paris. Et là, nous étions une vingtaine de jeunes gens. Les Parisiens étaient entre eux, se connaissaient déjà, avaient dû déjà fréquenter des ciné-clubs, etc. Et moi, j'arrivais d'une petite ville de province, complètement. Et j'ai repéré, j'ai vu qu'il y avait trois jeunes gens qui étaient tout seuls, aussi seuls que moi. Et je suis allée vers un grand garçon, un peu timide, gauche. I go to him and bonjour, je dis bonjour. And he answered bonjour. And I told him, my name is James. He answered me, me too. My name is James. Et c'était James Blue. Donc, James aimait beaucoup le montage. Et il a donc dédié même son œuvre au montage. Le montage était très important pour lui. Je pense que l'influence de l'IDEC à Paris, c'était essentiellement ça. Et James cherchait à poser la meilleure question. My name is Richard Blue, and I'm James Blue's younger brother by about 5.5 years. However he learned, he was absolutely committed to the discipline of storytelling as well as to the creative, emotive part of the enterprise. And I remember when he was at Rice, and he was help setting up with, I think, David Dougal, the film center there, with the Demoniels support. He told me, he said, so many of these young people come in and they just want to learn how to use the camera and they want to just vomit all over the table with their emotions. And he said they don't want to take the time to learn the theory and the craft of storytelling. And here, going back to the dramatic training that he had at the university, I mean, he understood, you know, better than I can even understand myself, the art and craft of crafting a story with, you know, tension and denouement and all the rest. And I think in that sense, he was more of a storyteller than he was a documentarian. You know what I mean? If you look at his documentaries, there is a story that he's telling. Even in The March, which was probably the purest of the documentaries, the shooting ratios on that thing were 20, 30, 40, 50 to 1. I mean, tons and tons of outtakes. And so he was putting together a story from nobody's gonna come, people arriving on the trains, people making the cheese sandwiches, all the rest in that. And, you know, he wasn't just interested in being the bug on the wall, you know, and filming and then showing you everything that happened on that great day in Washington, D.C. And that's really, I think, very important to understand about my brother. My initial position has been that my brother was not a political thinker. He had a gut kind of sympathy for the common man. He clearly, as he evolved, played that out more and more in his work. He was a bit of a rebel in the sense that he didn't see himself as, you know, climbing the Hollywood ladder or climbing the advertising ladder or whatever ladder he happened to be in for a moment. He did not have a well-crafted ideology that he was trying to project, and I think it became important to understanding the way he approached his film work, because he didn't ever start with a proposition or a position or a conclusion. He genuinely wanted to figure out what the heck was going on. As I later distilled it in my own thought, one was a belief that everybody had a story to tell, and that by giving people the power of these cameras to tell that story, it would empower
people who are otherwise marginalized or poor are not the elites, and they could then tell that story on an equal plane with people who had the power to hire the cameraman and to do all of that. And I think that was really a kind of a leitmotif of everything that he did. You know, the films are important, but probably his most lasting gift was the teaching and the unusual kind of teaching that he did. I think the story that goes best is Lynn Corcoran, who made the Love Canal documentary. She was a student of Jim's and at Buffalo, and she came up to him and said, you should make a film on the Love Canal. It's a cesspool. It's killing people. He said, I'm not going to make the film. I'm going to help you make the film. You're going to make it. That was what he was doing. That's the way he taught. Et maintenant, Sarah Bénédicte, la petite nièce de James Blue, va nous dire quelques mots. Okay. Hi, so my name is Sarah Blue Benedict. I'm granddaughter of Richard Blue, the younger brother of the late James Blue. So this is from Richard. Richard regrets that he is unable to travel to Bologna for this festival and for the unveiling of James Blue's beautifully restored film, The Olive Trees of Justice. He has asked me to represent the Blue family. Sorry, I'm nervous. James Blue died at the age of 49 in 1980. His films, teaching, and cinema research were forgotten. The restoration of James' film, The Olive Trees of Justice, is one of many efforts to bring my uncle's work back to the world of cinema. Richard wants me to extend our thanks to the many people and organizations that have contributed to making this restoration a success. It took almost 6 years, but he hopes the effort was worth it. So we want to give a special thanks to Camille Blott-Wellens, Marina Theory, John Tack, and to David Pozzi and the folks at Le Immagine Ritrovata here in Bologna for their hard work, technical expertise, and general support for making all of this a reality. Also to the U.S. National Film Preservation Foundation, Martin Scorsese's Film Foundation, and Costa Gavras, and the French Cinema Foundation for making generous grants to pay for this work. And thanks to many private individuals who committed funds and assistance, including James Ivory, James Dormeyer, Gil Dennis, Anne Richardson, Barry Strongen, Gerald O'Grady, Richard Herskovitz, and the University of Oregon James Blue Project and Archive, and many others who provided support and funds to this project. Special thanks to the University of Oregon filmmaker and professor Dan Miller, whose bio-documentary, that one you just saw, film Citizen Blue, The Life and Work of a Great American Filmmaker, is an excellent account of my uncle's life and his love of cinema. The James Blue Alliance was created for the purpose of helping to rediscover James Blue by restoring my uncle's films and finding ways to get these, get these films shown to cinephiles like yourselves all around the world. And this project was a giant step forward. So thank you to everybody. Thank you. Thank you, Sarah. Merci. Si vous avez des questions, nous pouvons y répondre. Les différentes sources. Est-ce que vous pouvez dire encore une fois quelle est la source du complet financement? Bien sûr. Il y a eu la Film Foundation, la National Preservation Film Board, le CNC français, le distributeur français, l'atelier d'image,
et la chaîne de télévision française Ciné+. Merci beaucoup. Pardon ? Ah oui, pardon. Le film sera projeté à 11h en salle Mastroianni.